programme à travers une ligne de crédit, donc c'est à travers une ligne de crédit. Du renouveau devant être la réconciliation. Vous avez parlé aussi d'inclusion. En qualité de directeur général du Fonds monétaire international, j'ai félicité les autorités pour le solide redressement de l'économie ivoirienne que le FMI a entrepris d'accompagner dans le cadre de la facilité élargie de crédit dotée d'une enveloppe globale de 600 millions de dollars sur 3 ans à taux d'intérêt zéro. J'ai salué l'ambitieux programme de développement national du président Ouattara pour 2012-2015 qui devrait dynamiser l'investissement public, doper la croissance et créer des emplois. Dire que nous avons eu moins 4% en 2011, suite donc à la sortie de crise, nous sommes au-delà des 8% en 2012, et tous les efforts volontaristes ont été évoqués dans cette salle, en matière de réforme, en matière d'investissement, devrait conduire donc à maintenir le cap en termes de croissance. Je pense qu'en 2013, le Premier ministre l'a dit, nous serons au-delà des 8%, nous avons pour objectif d'atteindre un taux de croissance de 9%. Et en 2014, donc un taux de croissance à 2 chiffres. Cela est possible. Cela est possible si nous maintenons un cadre macroéconomique sain pour soutenir les efforts que le secteur privé fait pour pouvoir reprendre sa place dans l'économie ivoirienne. Excusez-moi,